Bonjour à tous et bienvenue, c'est Bubix. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de ma série de Let's Play consacrée à SimCity BuildIt. Donc comme d'habitude, on va commencer l'épisode par un petit résumé de ce qu'on a fait lors de l'épisode précédent. Et ensuite, je vais tout simplement vous proposer du contenu, savoir ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, lors de l'épisode précédent, nous avons essentiellement structuré notre ville. Donc voilà, ça commence à ressembler un peu à une ville avec une zone résidentielle un peu commerciale et industrielle par là-bas. On a commencé à développer un petit peu nos principales industries, etc. Et on a commencé à récupérer quelques ressources. Donc aujourd'hui, l'idée, ça va être de continuer dans cette lancée, voire même de continuer à développer un peu nos quartiers. Là, pour l'instant, le quartier résidentiel, il compte 6 maisons, 6 pâtés de maisons. Pourquoi pas aller plus loin? On va regarder ça. Pour l'instant, ce que j'ai fait depuis l'épisode précédent, c'est de faire un petit peu des ressources, de préparer. Vous voyez, j'ai quand même un entrepôt qui est rempli. Et du coup, je ne peux même pas récupérer ce qui est déjà fabriqué. Donc on va tout de suite utiliser tout ça. Déjà, on va commencer par utiliser la petite pièce qui est ici. Donc ça, on l'avait pas vu ensemble, hein. Ce sont des offres d'achat, en fait, tout simplement. Donc on va cliquer dessus. Désolé pour le petit lag. Et vous voyez, ça me propose d'acheter 4 clous pour 182 pièces d'or. Donc non, ça ne m'intéresse pas puisque les clous sont très très enfin très utilisés, donc je ne souhaite pas les vendre. Voilà. Donc on va développer les trois maisons qu'on nous propose ici. Ça va m'user un petit peu de mes ressources et ça va me faire monter donc mon expérience. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Hop, donc on y va, je fais tout évoluer. Toc, les clous ici. Alors on continue comme ça. Alors voilà, c'est en train de construire, donc ça c'est parfait. Hop, je continue ici et je vais faire ça là. Voilà, donc génial. Donc je vais pouvoir récupérer du coup toutes mes ressources dans les bâtiments de construction. Voilà. Par ici et je vais regarder ce qu'il me faut pour continuer mon évolution. Des barres de fer, j'en ai quand même 12, donc c'est suffisant. Je vais quand même en remettre deux en route et le reste je vais faire que du bois. Donc deux barres de fer et après que du bois. Donc je fonctionnerai comme ça à chaque fois, hein. Maintenant je vais faire des stocks de ressources et une fois que j'aurai des stocks intéressants, je referai un épisode, du coup ça évitera d'attendre que les stocks évoluent, etc. N'oubliez pas de cliquer voilà, sur les petites bulles, puisque souvent ça vous donne des objets. Voilà, par exemple là j'ai un cadenas, donc très intéressant. Beau travail, vous avez pris le temps d'écouter vos citoyens et ils vous offrent un objet spécial, vous voyez, donc ça c'est très très intéressant. Ensuite, nouveau bâtiment a priori, donc on va aller regarder ça. Donc j'ai la possibilité de construire un entrepôt, donc ça va être dans Ministère. Hop, donc ça s'appelle l'entrepôt, donc ça très bien. Donc on va se placer vers la zone industrielle. Et on va le placer par exemple ici, c'est très bien. Donc l'entrepôt c'est quoi? Ça me permet d'augmenter pour l'instant de 10 ma capacité de stockage, donc ce qui est déjà pas mal. Mais au fur et à mesure, on va pouvoir, en cliquant dessus, augmenter la capacité. Donc ça va vous demander des objets spéciaux ou des billets. Donc les billets, je vous déconseille de les utiliser ici, mais en tout cas les objets spéciaux, une fois vous les avez, ils vous servent non seulement à augmenter la capacité de l'entrepôt, mais aussi à agrandir votre ville après par la suite. Donc, pour l'instant, on va rester comme ça. Donc je vous conseille de cliquer le plus souvent possible, vous voyez, sur les petites icônes qui apparaissent, puisque du coup c'est comme ça que vous débloquez tous les objets nécessaires pour agrandir l'entrepôt. Vous voyez, je vais les cliquer dessus et maintenant j'ai tout ce qu'il faut pour l'agrandir. Donc pour l'instant, si je vais le faire directement, hein. Hop, on va augmenter la capacité et ce qui va me permettre d'arriver directement à 50. Donc ça c'est super. Ensuite, nous avons débloqué un nouveau magasin, donc la droguerie. Donc on va la placer, hop, par ici. Hop. Très bien. Et avant de cliquer dessus, je vais juste remettre en fabrication des clous. Oui, j'avais complètement oublié. Donc les clous qui vont me servir évidemment pour la suite pour faire évoluer mes bâtiments. Donc hop, on met en fabrication des clous. Et ensuite, on va aller dans la droguerie et je vais mettre en fabrication tout de suite des marteaux. Pour l'instant, qui ne me sont d'aucune utilité, mais par la suite, cela me servira. Et vous voyez, c'est 15 minutes pour faire un marteau, 14 minutes. Donc ne pas hésiter à les faire. Très rapidement. Ensuite, donc on va continuer à faire évoluer notre ville. Donc pour ça, je vous rappelle qu'on était limité en termes d'électricité. Donc là, pour l'instant, nous sommes à 6, capacité de 6. Donc ce qu'on va faire pour pouvoir agrandir notre ville, c'est mettre une éolienne de plus. Et du coup, je pourrais aller jusqu'à 9, qui est la capacité en termes d'eau. Voilà. Donc je reviens.
bien sûr tout ce qui est électrique. Hop, et voilà, j'ai une centrale éolienne supplémentaire. Voilà, super. Du coup, je peux donc construire trois maisons supplémentaires. Donc, c'est ce que je vais faire sans plus attendre. Alors, on va aller sur les petites maisons. Hop, une zone résidentielle par ici, une zone résidentielle ici, c'est parfait. Et on va en construire une autre par ici. Voilà. Donc, on va sortir de ce petit menu. Et du coup, on va aller, hop, donner les matériaux nécessaires pour faire évoluer ces bâtiments. Voilà. Hop, super. Vous voyez, là, j'ai une petite bulle qui est apparue. Donc, un objet spécial, c'est génial. Donc, j'ai augmenté ma population. Hop, je pense que je vais passer les 2000. Même pas, je suis juste avant, donc pas de souci. Donc on va attendre tranquillement. Donc bon, on va continuer de faire évoluer la ville, hein, puisque vous voyez, il y a encore des résidences de disponibles. Cette fois, c'est l'eau qui me limite. Donc on va hop, rajouter un château d'eau. Et du coup, ça va me permettre de construire plus de maisons. Donc hop. Donc la limite, normalement, va redevenir l'électricité. Donc je peux construire trois maisons supplémentaires. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop, je vais aller sur les maisons. Il me reste trois, c'est parfait. Hop, une par ici. Alors, pour continuer de construire correctement, on va refaire une autre route. Ça sera plus pratique. Toc. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir construire mes deux zones résidentielles restantes. Une. Et deux. Voilà, c'est parfait. Donc là, vous voyez, j'ai pas les matériaux, donc c'est pas grave. On attendra tranquillement. On va cliquer sur les petites bulles. C'est parfait. On va attendre tranquillement que ça se construise. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'il me manque? Du fer. Et ben, on va aller chercher le fer tout de suite. On va même en remettre tout de suite à construire dans toutes les usines. Comme ça, d'ici une minute, je pourrai faire évoluer mes maisons. Donc voilà, l'idée aussi c'est d'équilibrer vos stocks. Hein. Évidemment, il y a le métal par exemple, vous allez en avoir besoin de plus que le reste, mais c'est important d'avoir un peu de tout. Voilà, donc ici je vais utiliser mon bois. Ici j'ai une petite bulle qui apparaît. Donc vous voyez, ça me demande des clous. Donc non merci, les clous je les garde. Donc j'ai encore une autre bulle par ici. Donc ici ce sont les barres de métal. Donc pour l'instant je peux pas les payer, mais je le garde en réserve. Donc j'ai pas cliqué sur non merci. Hein. Du coup la bulle est encore là. Donc ça c'est parfait, vous voyez, allez hop, je fais évoluer tout ce que je peux faire évoluer. Voilà, d'ici peu de temps je vais pouvoir récupérer les barres de métal qui sont là-haut. Ici on va regarder ce qu'il nous faut, donc c'est du métal, donc très bien. Ici ça va être un marteau, donc ça dans 14 minutes il sera disponible. Et on va récupérer donc le stock dès qu'il sera dans 4 secondes, c'est parfait. Voilà, on a passé la barre des 2000 habitants, génial. Vous voyez, hop. Super, hop. Voilà. Toc, toc, toc. Ici, je récupère mes barres de métal. Voilà, super. Donc, je fais évoluer mes petites maisons. Enfin, je les fais construire, hein, surtout. Celle-ci, non, c'est une évolution. Donc, très bien. Voilà. Et du coup, bah, je vais m'arrêter par ici, hein, pour aujourd'hui. Lors du prochain épisode, du coup, on va regarder ce qu'on peut construire, au niveau 5. Et on continuera de faire évoluer notre ville. Allez, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à vous abonner. Puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao tout le monde.